So Odin robbed Freya of the warrior spirit? Aye. No living thing may she harm by blade nor spell. Oui, il y a un gros truc là. In a world this belligerent, et là, what je vois choice does she have but isolation? Il y a un ancien encore. Poor Freya. On va attendre son histoire. I'd spin your face too. Aye, lad. So would I. C'est ce qu'elle a fait sur toi d'ailleurs, Mimir. Hein. Salut à tous, c'est Narn de retour sur God of War. Et j'ai vu que là, normalement, on devrait avoir le dernier ossement pour la copine de l'esprit. Bonjour. On doit t'attaquer ou tu es friendly? Tu m'as l'air friendly. Yeah. Ouais. Écoute, pour le moment, je ne vais pas t'attaquer. Hein. Je vois pas l'intérêt de te faire du mal. Encore? Ouh. Ouh, mais je vais en avoir des maps. Est-ce que je peux ouvrir sans que l'autre s'acharne sur moi? Parce que c'est un bout de code pour le texte encore qui nous manque. Another piece of the language cipher. Aha, de Nilfheim. Cool. Cool, cool, cool. Génial. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'attaquer lui. Attends. Oh, c'est bon. La dernière partie. L'anatomie de l'espoir, ça y est. Remettre les os à Gullveig. Maybe he will keep his word. I know she's not coming back, okay? I know. Est-ce que... Never mind. Est-ce que je l'attaque? I just gotta return the box. Je sens que je vais faire une connerie, mais... C'est parti! Wow, des bons hors d'âme. Ça pue un peu. Yala. Yo! Non, 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 non. Oh, 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 oh. Ah! Non, 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 non. Fist, tire, 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 tire. Ready anyway. Non, non, je me suis planté de bouton. Non, oh là là, je prends cher. Comment c'est possible de lui tirer dessus? Chut. Il me faut de la vie. Là, peut-être de la vie. Vie, oui, yes. Encore. Chut. Je crois que je vais faire avec mon fils, hein, parce que... Fils, chaud. Oh. En fait, faut que je lui balance, que j'esquive. Hop. Ok. On est bon. Ah, morceau. Non. Oh, bon, alors là, super. Complètement à côté, Narn. Oh, alors là, magnifique. Non. Mais, je dois pouvoir... Je peux pas te shooter, là. Comment ça se fait? Bon, bah, écoute. On va commencer avec la pierre d'âme, hein, de se ressusciter. Malgré tout, il a l'air un peu tendu quand même. Mon gros problème, c'est que j'ai essayé absolument de vouloir le combattre au corps à corps, alors qu'en fait, on est obligé de faire par lancer de hache. Hop, voilà. Magnifique tir. Hop là. Vite, prends ça. Hop. Et... Spook. Pop. Voilà, c'est comme ça. Hop. Attends, on va le tabasser jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'à ce qu'il éclate. Allez, mes pets, stop, please. Oh. Bon, bah, c'est reparti. Oh. Merde. Vise bien. Arme. Allez. Hop. Eh, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, c'est bon, il est mort. Allez, vas-y, ouvre-toi. Allez, reviens, la hache. Dis donc, la coquine, elle voulait pas revenir. T'es pété. Bon, ok, j'ai réussi. Est-ce que ça valait le coup? J'ai récupéré son protecteur. Ok, résistance à l'empoisonnement. Cool. Est-ce que ça me sert? Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, on a eu l'ancien. Hein. Easy. Là-bas, il y a une petite zone. Je vais aller visiter très rapidement. Et s'il n'y a rien, je vais zapper. S'il y a quelque chose, je vais vous le montrer. Ne vous inquiétez pas. Amir, there was a shrine about a giant lady with lots of books and visions. Ah, that would be Gloa. Ah, ça va être intéressant ça, parce qu'il doit savoir pourquoi Odin l'a voulu récupérer. She was a gifted sorceress, who gathered every tome of arcane wisdom she could find in the realms, all in the hopes of augmenting her powers of prophecy, that she might find her lost husband, Arvandil.
But it was not her husband she would glimpse in her visions. C'était Odin. For it was Groa, seeing longer and farther than any before or since, who witnessed Ragnarok. Ah, the end and je the savais, beginning. J'avais raison. Odin, c'est pour ça. Of her ultimate prophecy. C'est pour ça qu'il a voulu récupérer le bouquin. He maneuvered to obtain her knowledge and hoard it for himself. Je l'avais dit. Odin is a long-time patron of her services. C'était sûr. And so she welcomed ça. Him into her library as a friend. What she did not know is that Odin himself was behind her husband's disappearance. Oh. Having used his enchantments to conceal his death at Thor's hands from her sight. Pour ça qu'il a fait smiling, ça exprès jealous pour pouvoir Odin récupérer. Took her by the throat, and with his very hands he stole her pour library ça qu'il a pour pouvoir récupérer and her life for his own. I always knew Odin was bad, but that's just... Ruthless, barbaric, heartless? That's Odin. In fact, we would do well to sit here in silence for the next few moments and reflect on Odin's capacity for cruelty. Ok, donc on, là, là, clairement, on nous prépare... Oh, hop, 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 hop. On nous prépare à tataner de l'Odin, en fait, hein. À tataner tous les dieux de j'allais dire de l'Odin, non. Tous les dieux nordiques, plus exactement. Allez, on couche. T'es où? T'es où? Y'a là. Y'a là. Lui le petit. Lui le petit. J'ai pas peur. Non. Raté. Hop. Ah le coquin il m'a eu. Ah le coquin il m'a eu. Extraordinaire que j'ai réussi à shooter les deux premiers. Et lui. Ah voilà. Que j'ai eu du mal. Ploup. Ok. Et ploup. Pas besoin de vie, mais bon. Pour le principe, je récupère tout. Eh, j'ai récupéré les os de ta femme. Pourvu que ce qu'il nous ait bien menti. We have collected the rest of your woman's corpse spirit. Ou qu'il nous envoie pas une fée corrompue. Ah, my sweet Gulvig, whole again. Et là, il disparaît parce qu'il a été complètement satisfait. Oh oh. Oh, je sens la revenante arriver. En nous tuant. C'est ça, elle va nous tuer. Oh, et quelle surprise. Meurs, sale vieille sorcière de mes... La saloperie, je savais qu'il n'honorait pas sa promesse. Vite, shoot. Oh, raté. Mais meurs. Voilà. Tu. Shoot. Allez. Wow. Elle prend super cher. Ah! Et là, je t'achève. Et bim. Wow. J'ai même pas besoin de faire R2 pour l'attaquer. Alright. Say it. I told you so. Je te l'avais dit. I told you so. Je te l'avais dit. Foolish boy. This is true as well. But do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. Les esprits sont égoïstes. Contrairement à moi, qui veux rien faire que pour moi-même. Écoute-moi la prochaine fois! Ed, you are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? You just insulted you. Yeah, I got that. Tu es un barde. So what a corker, do you? Raconte-nous. Very well, my brothers. Eh, vas-y. I'll tell you the story of Hrungnir, the Broa. The real story. The real story? There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story. Donc but... la tour qu'on a vue la dernière fois, c'était la tour de Jotunheim. Was born with neither head nor heart. On dirait qu'elle était là. So the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Odin met him wandering in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead. And goads him into all manner of boasts and antics, de all for the amusement of the court.
C'est là où il y a la mine. I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. And does he laugh? Oh no. Thor takes one look at the drunken stone buffoon and brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. Ah bon? Thor is so startled by the faceful of rock. He doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. C'est très con. And again, ça t'apprendra à taper avant de réfléchir, toi. The roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mimir. Nothing like the ones mother told me. Moi, je la trouve sympa. Let that be a lesson, my son. Truth is seldom so pretty as que les dieux sont cons. Ils sont totalement abrutis. Et donc là, on a la mine de Volund, la fameuse mine où Brock voulait qu'on aille. Pour aller voir son ami alchimiste. On va regarder, on va tester quand même. Ça peut être intéressant. Il y a peut-être, j'ai cru voir un monstre. Il y a peut-être des trucs si on peut réussir à retrouver l'alchimiste, il y aura peut-être de quoi avoir de bonnes récompenses avant de continuer. Que moi j'aime bien être bien préparé, non c'est Atreus. J'aime bien être bien préparé avant de partir justement à la suite de l'aventure, parce qu'au moins comme ça on est sûr de péter assez facilement le boss. Donc je vais regarder, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un truc que je peux activer là, c'est quoi? Ok. C'était quoi? Ah c'était juste de l'argent, j'ai cru que c'était un truc exceptionnel, mais non c'est de la merde. Enfin c'est de la merde, c'est bien l'argent, c'est bien. Pour Brock et pour Sindri. Boy. Boy, passe devant. J'aime pas quand c'est tout serré comme ça. Enfin, ça dépend pourquoi, mais... Boy. Ok. Boy. Lis ça. Qu'on sache à quoi s'attendre dans la mine. Allez, dis-moi tout. Dis-moi tout, boy. Parce que ça s'appelle Patrick, il s'appelle boy. Je vous le dis. L'invasion d'Andvari. Voici le chemin des mines de Volund. Cette grande réussite a été rendue possible par Andvari l'alchimiste. Ah, donc c'est lui que je dois... retrouvé normalement, je pense, fils d'Ivaldi. Grâce à son ingéniosité, la pierre et la roche ont cessé d'être des obstacles pour devenir de puissants alliés. Est-ce que je vais affronter des ennemis anciens encore? La plus grande peur des nains a toujours été de se quereller avec les anciens, donc voilà. Mais grâce au génie d'Andvari, ce sont maintenant les outils de notre noble entreprise. C'est le début d'un nouvel âge pour les nains, les mineurs que nous sommes maîtriseront bientôt le fer et façonneront l'avenir. Donc, qui se sert des anciens pour travailler pour lui. Est-ce qu'il va me faire attaquer l'un des anciens pour pouvoir, avant de le rencontrer? Non, je veux pas. Je viens en paix, les nains. Je ne suis pas à affronter. Je ne suis pas un bout de viande que vous pouvez trimballer d'un de vos rochers à l'autre. Oh, Brock. Mais... I need that alchemist for something I'm stewing up for you. Mais Brock, t'es devant. If you're smart, you'll find him. Tu pouvais pas y aller tout seul? Brock, sérieusement? Hey, word is someone put down that loudmouth Magni. Wouldn't know anything about that, would you? Non. Would that be a good thing or a bad thing? Absolutely. Bad thing for you when his daddy finds out. But one less Aesir farting around suits me just fine. In fact, next upgrade is on the house. Really? Oh, no. Yes. Oh. Wow. Oh non, il m'a farté, l'enfoiré. These runes read death inside. Okay. You scare up that alchemist, what needed finding? Bah écoute, c'est pas très engageant, mais bon. On va aller voir, hein. Ça m'a pas l'air vraiment engageant avec le titre du... ce qu'il y avait marqué en rune. Y'a quelqu'un? So... Oh. Brock said his friend was dwarven, like him, wearing a green ring. Look if you wish. I will be gathering resources for our journey. You don't want to help him? No. Je vais juste récupérer les récompenses. Because I do not run errands for dwarves. Oh. Dwarven, but no ring. One of his crew? Scorch marks. There, on the floor and wall. Weird. Encore des drogueurs? Des drogueurs de feu? I mean, I'll keep looking. Moi non, je suis juste là pour les récompenses. Dragon encore? Hello? Oula, ils ont été pendus là. Pas bon ça. Attends, hop, comme ça.
Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais peut-être dû le garder. Ça sent le boss là. Et... Oh. Oh ben, je peux plus bouger. Ok. Qu'est-ce que... Oh oh. J'ai entendu une bestiole. That's a soul eater. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, no afterlife, ever. Ah bon? It does not attack. Je sais pas si Kratos va aller au paradis ou en enfer. Mom made them sound more dangerous than that. Mais on en a déjà affronté un. T'inquiète pas. Come. Il doit travailler pour l'alchimiste, hein, comme on a vu sur le message. Tu lis pas trop, hein, ce qu'on t'a mis. Hein. Ce que t'as vu. Tu lis rien, tu retiens rien, Atreus. Faut que je te dise tout. Tout. Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. Ah bon? Par quoi? T'as vu un trésor? Tu me l'as pas dit? Oh, ah, saloperie de... Bon, je vais... Allez, encore! Encore! Attends, j'ai pas besoin de la hache. Oh, m'énerve! Voilà, boum! Allez, meurs! Chouic! Bouf, bouf, bouf! Allez! T'aimes ça, hein, que je te cogne, hein? Hein? Aïe! Bouille! Bobo! Ça fait mal! Ça fait mal! J'ai toujours un peu mal quand il leur claque la nuque comme ça. Ça me fait un massage de la nuque. Mais pas en bien. Il y en a une autre. J'ai entendu autre chose là. Ah non, c'est un corbeau. Corbeau? Corbeau? C'est un œil? Non, c'est un normal. Ok. Là, il y a un truc. Ou un trésor. We're not gonna find Brock's friend alive, are we? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Attends. Voilà. Une rune. Deux runes. Ok. Parfait. Hop. Elle est là. Cherchez 3 heures. Elle était juste là. There's the ring on that severed hand. Attached to the soul eater. What? Il est devenu le... Il est devenu un ancien. Il s'est fait absorber ou... No, we will fight it. Pourquoi? Because you are frightened of it. Non, vaincre le mangeur d'âme. Mais est-ce que c'est comme pour l'autre nain qui est devenu un dragon? Wow! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Laissez-moi aller. Oh. Allez, shoot. Comme ça, on le finit un bon coup, lui. Il va pas nous emmerder. Je peux pas l'envoyer ailleurs. Vas-y, shoot. Allez, attends. Il est où le mec? Là. Et poup. Poup. Allez. Hop, encore. Mais pourquoi il se régénère l'autre? What? Je l'avais tué? Boum. Allez. Et. Chouch. Ok, c'est bon. Toi aussi. Chouch. Voilà. Maintenant j'arrive à les étourdir en 2 secondes, les mecs. 2 secondes. Et toi aussi. Mais d'où? En 2 secondes, mais bon, ça m'empêche pas de me prendre quand même plein de dégâts. Il est où le? Et toi, couché. J'ai dit couché. Voilà. Saloperie de Drogueur. Et de Nightmare surtout. Qui rendent les drogueurs beaucoup plus chiants à combattre. Be strong, Atreus. Tu me diras, c'est pas plus mal. And look for a weak point. Yes, sir. Attends. Ah, on pouvait pas. Je croyais qu'on pouvait passer sur le côté. En fait, c'était là la cache spéciale. C'est pour ça qu'on devait faire. Et c'est donc pour ça aussi qu'on a eu les ennemis. Moi, pas pour comprendre. Moi, non, moi, des badoudou. À moi, de badoudou. Est-ce que je vais utiliser du coup les explosifs? Make no sudden movement. Non, fais pas de bruit surtout. Parce qu'on n'est pas là pour lui péter le cul.
Bonjour. Je fais des mouvements soudains. Okay, ah bah oui, effectivement. Hop hop hop. Même technique pour que pour l'autre, hein, du coup. Hop hop hop. Regarde, je suis là. Je suis là. Tout à toi. Ouvre-toi. Confie-toi à moi. Et pop. Et pop. Wow. Ah, il explose. D'accord. Ok, ok. Ok. Par contre, il est pas très solide, hein. T'es pas très costaud, mon grand. Je l'ai affronté des plus grands que toi. Hop là, raté. Ah, maintenant t'es assommé. Allez, allez, allez. R3, voilà. Du coup, je vais l'avoir éclaté en 2 secondes, machin. Allez, boum. Et boum. Et boum. Again. Oh, il y en a un autre derrière. Il y a un truc derrière, il y a un truc derrière. Voilà. Oh. Oh. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Oh. Ok. Ah oui, moi aussi je l'ai senti. Vite, 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 vite. Mais sous de ma gueule ou quoi là. Oh. Tu te tournes dans un sens et tu te tournes de l'autre côté quand t'es en train de me tirer dessus. T'es pas censé pouvoir bouger. Oh. Il est moins sac à PV, mais il me met cher quand même, hein. Ok, la main coupée. Pourquoi la main du nain est restée dessus? Anneau de l'alchimiste. Dwarvish inscription. Donc finalement. But where's the rest of him? Ashes most likely. Soul Eater got him. I guess we should bring this back to Brock. Finalement, le nain est mort. Moi, je pensais qu'il serait encore en vie puisque le nain nous disait oui, je lui demanderais de faire des trucs. Et finalement, il est mort et enterré définitivement, malheureusement. Donc, on pourra rien lui demander, mais je suppose que la bague, ça doit permettre à Brock d'utiliser de l'alchimie pour une quelconque façon qui ralentit les projets en arrière. Ou pas mal. Plouch. Oh, pas mal. Ou pas mal. Parce que le tourbilol, en fait, c'est pas si bien que ça, mais ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, mais du coup, ça fait... non, je vais garder le tourbilol, quand même. Ça fait pas mal de dégâts. Brock, ça y est. Il est mort. Il est même pas, allé au paradis. Il y avait un soul eater inside. Et, well, il must have burned away the rest of him. Suppose you'll still be wanting some compensation, huh? Bah, bien sûr. Naturally, attends. He says. J'ai risqué. Ok. Pionnier de Volnund. Objet rare, pommeau. Très faible chance de tenir. Closer look at this here ring. Ouais, j'ai un autre pommeau qui est bien mieux. Left a bit of magic un peu moyen. Dwarves can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. Oh, I'm not as interested as I thought. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Got another lead on my old pal Anvari. Bah, on l'a trouvé, il est mort. Meet me at the Lawnsoother Mines. There's some fancy dancy loot in it for you. What? Another lead? But we already found him. Well, found his hand. Il est mort. I'll explain at the mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stand there all gag scrapped and slack jawed? Ok, cool. Brock aux mines de Langrur. Marquez ce service. Attends. On va continuer la discussion, t'inquiète pas, mais je voudrais juste voir où est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire ça ensuite? Ou est-ce qu'on doit aller autre part avant, au sud du lac? Donc ça doit être par là. De Sex Malachite. Ça, on pourra peut-être y aller plus tard. At the Valander Mines. Feller was always tampering with souls and dark rituals and matters of the night, see? Effectivement. Et ça s'est très très mal fini pour lui. Just the sound of his hammer flattening metal were enough to stoke my fires all blissful. Ok, d'accord. Shit, you better clear out before I get all frisky. Ok, d'accord. Mais du coup... Over there. Oui, on y va. Et du coup...
On va plutôt faire la quête, je pense, à la fin, comme l'exploration du lac. Je vais arrêter l'exploration et reprendre l'histoire, parce que beaucoup des trucs, on n'a pas encore accès aux différentes langues et tout, donc il faut qu'on trouve tout le reste des langues, et je pense que c'est pas autour du lac. Il y a beaucoup de problèmes de niveau aussi, donc à mon avis, on va avancer un peu, et on reprendra l'explo quand on aura un peu plus de stuff. Ok. Bon, en même temps, c'est le tombeau de tir. Je peux pardonner le fait qu'il en faille plus de deux. Je peux. Wow. I can't believe we're setting foot in Tyr's vault. Ooh. Ooh. Est-ce qu'on va voir son tombeau? Another one of these. Ooh. Ah bah, il est... Tyr, but il est pas complet. The middle panel is missing. Wait, I thought Tyr was a god, not a giant. Aye, but he was loved by everyone, including the giants. Other than me, he was the only one they gifted with their special sight. Hey, I wonder if the giants left a triptych about me somewhere too. Ok, Mimir, t'as une vue spéciale. À part voir le passage pour les géants. Actually, come look. Let me show you how to read this. That is not necessary. You've taught me so much. Let me teach you something. Eh oui, Kratos, ce serait utile. Pourquoi pas? Atreus. Come on. You already speak it. Learning to read won't be that hard. Ah. I know how to read, boy. C'est pour ça qu'il peut just parler aux autres nordiques. You're halfway there already then. Ah. Okay. So the runes represent a lot of different things. Some gods. Some animals. C'est intéressant cette relation. Wait. Oh, am I going too fast? Sorry. Not that. Qu'est-ce qu'il y a? Do you smell something? Du gaz? Moi, je sens pas de gaz. Yeah, I do. J'ai pété. Smells like... What? Rain? La pluie? Wow! Wow, fuck! Oh, oh! Aïe, 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 aïe. I earned that fucking hammer! But now, everyone's gonna think I only got it, cause Magni's gone! What, t'as mérité ton... joke! Ton marteau? But what? If I kill you, no one's gonna laugh at me! Surtout si tu m'attaques par derrière. Je croyais que les dieux nordiques étaient plus courageux que ça. Ah. Allez, Kratos. That your father's doing? Or did you get it from your mum? Non, je tiens ça de mon père. Shut up! Wow. Ça va chier, là. Ouais, mais c'est... Kratos, énerve-toi, un bon coup. Oh, it's true. But I'm gonna get to know you really well. Non. You're gonna be my new brother. Right after I finish killing your father. Je ne crois pas, non. T'as une obsession avec ton frère, hein. Oh, 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 oh. Oops. I think I broke him. C'est toi qui lui as fait ça, t'es sûr? Et tu sais pas ce que tu viens de faire à moi, par contre. Je suis le dieu de la guerre, bordel. Oh, t'as peur, hein. Alors, tu fais moins le malin, là. Hein? 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 Allez. Non. Je vais te faire bouffer ton marteau. Tu vas le prendre au fond de ton cul. Non. Si. Si, 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 tu vas aimer. Mais si. Je ne veux pas. Oh, mais t'es vraiment une tapette, hein, mec. Reviens ici. Brother, the boy. Atreus. Oh. Va pas bien. You have to get into Freya quickly. Oula, quoi, there's no other way. Qu'est-ce que... Merde. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils nous mettent dans le scénario que on doit... Atreus nous apprenne à lire. Peut-être parce qu'à un moment donné, Atreus va disparaître ou mourir. Et ça me fait un peu... Ça m'inquiète un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Oh. C'est quoi ça au bout? Wow. What the... What the fuck? What? Ça pue un peu là. Take the boat. Freya's isn't far. Non, je sais qu'elle est pas loin, mais il y a un problème là avec le ciel. Tu vois pas? Qu'est-ce que c'est? C'est Ragnarok qui commence? Et Freya, c'est la version magique de je peux tout soigner. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. No. Freya's forest is a blind spot for him. Je ne savais pas du this tout. Is our smartest move. And if anyone can heal him, it's her.
What is happening to him? Pour le protéger, oui, mais... Some conflict of the mind expresses itself as an ailment of the body. Never in a god. What? But a god believing himself mortal. I can only imagine. We're what? Almost there. Mais comment il peut être un dieu, Atreus, si je l'ai créé avec ma mère mortelle? Maman ne serait pas mortelle? Oh, what the fuck? Ok, d'accord. Très bien. Je sais pas pourquoi il y a eu une pause. Attends, c'est quoi ce délire? Gardo, c'est un dieu, d'accord, mais quand Zeus... J'étais pas dieu, moi j'étais un demi-dieu au départ. Je suis devenu dieu que parce que j'ai récupéré l'énergie d'un dieu, mais... Atreus est directement un dieu? What? D'accord. Oh oh. Oh oh. Somebody just called the serpent. Oui, quelqu'un a appelé le serpent, oui. Oh 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est Thor qui l'a appelé pour taper le serpent. Je sens pas. Je sais pas ce qui se passe, mais là ça pue. C'est pas bon du tout. Ah, Kratos, tu t'impatientes, hein. Tu t'inquiètes. J'aime bien comment on voit aussi l'humanisation de Kratos. Qui fait genre, je suis un guerrier dur et insensible. Alors qu'en fait, le gars, il est complètement inquiet. Allez, cours! Mais cours, mon grand, je peux pas courir. Je peux pas courir. Allez, allez. D'accord. On va continuer de marcher, écoute. Ah, c'est marrant, ça fait comme un pentagramme. We need your help. Freya. Woman, do you hear me? Freya. It is urgent. Tu te fous de ma gueule? I'm still a god. Go away. The boy has fallen ill. Et j'ai plus le choix. Ça va les rassembler les deux. Freya. Inside. This is no ordinary illness. Ah, oh, the boy's sans blague. True nature, your true nature fights within him. Ah bon? Comme il se croit mortel, il n'arrive pas à déployer toute sa puissance. I did this to him. Will you help me? Involontairement, je pense. Of course. Non, le regard d'un père là. There is a rare ingredient found only in Helheim. Helheim protects the bridge of the damned. I need its heart. Oh. Hell. The realm of the dead. Do you know it? Oh, oui, de nom. It's a land of unyielding cold. Fires cannot burn there, and no magic in all the nine realms can create a blaze. As for the dead, your frost axe will be useless. C'est ce que j'allais dire, ma hache. Va pas faire grand chose là. Then I must return home. Home en Grèce. Dig up a past I swore would stay buried. Oh oh. Who you were before doesn't matter. Ces dagues. This boy is not your past. He is your son, and he needs his father. Mais qu'est-ce que je fais là? This rune opens the bridge to Helheim. When you are there, do not under any circumstances cross the bridge of the damned. There is no road back. Understand? Oh, j'ai trouvé le chemin du retour plus d'une fois. You must hurry. Through my garden there's a path leading to my boat. Take it. Return home, dig up your past, do whatever you need to do, just bring me back the bridge keeper's heart and your son may survive. OK, très bien. Je vais faire ça. Par contre Helheim, je vais rencontrer des gens, je pense, de mon passé peut-être. Est-ce que le... Freya. J'espère que l'enfer nordique et l'enfer grec sont pas connectés. No. You were right to distrust the word of a god. No need to explain. Not to me, not for that. I will keep him safe. Tu es bien. That's a mother's promise. Tu n'es pas sa maman. Curieux quand même. Freya, elle est très...
Très compréhensive. Curieux, curieux. Mais nous irons à Helheim que la prochaine fois. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me laisser un commentaire. Ciao.